chers tous. Bonjour, chers tous. Jonas Fred Makita. Après avoir suivi la vidéo du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le grand frère Thierry Mungala, je ne pouvais pas rester silencieux. J'ai comme l'impression que nos autorités ou ceux qui nous gèrent, nous gouvernent, nous prennent pour des idiots, quoi, pour des gens qui ne peuvent pas faire des analyses, alors que nous sommes tous allés à l'école. J'ai deux ou trois questions à poser à monsieur le ministre. S'il vous plaît, cher René, comment vous pouvez expliquer que Séraphin Okemba n'a pas été sanctionné? Si réellement Séraphin Okemba n'a pas été sanctionné, mais à quoi sert cette lettre? Pourquoi il vous envoie une lettre d'excuse? Les excuses par rapport à quoi? Il n'est pas sanctionné, il n'est pas blâmé, mais pourquoi il présente des excuses par une lettre? Et cette lettre a été écrite hier. Je crois que ceux qui vous ont conseillé de lire cette lettre en public vous ont très mal conseillé. Parce que lire cette lettre de Séraphin Okemba nous confirme qu'il a été blâmé, sinon sanctionné. Ce qu'il fallait plutôt faire, c'était mieux de laisser Séraphin Okemba lui-même faire une déclaration pour prouver qu'il n'a pas été sanctionné. Mais venir lire cette lettre, et la lettre a été écrite hier le 1er décembre, pendant que la polémique s'est faite hier. Cher aîné, monsieur le ministre, ne faites pas comme ça. Vous emmenez la République dans le caniveau. Nous avons réduit la République, rabaissé la République. Ça ne se passe pas comme ça. Bon, il va s'excuser. Est-ce que c'est lui qui a demandé aux autorités de dormir? Il ne faisait que son travail. C'est déjà bien. Si vous avez annulé votre sanction, qui n'avait pas de raison d'être, c'est déjà une bonne chose. Parce que là, nous comprenons que vous avez annulé votre sanction. C'est déjà bien. Mais ne nous prenez pas pour des idiots. Bête aussi, bête Kouenda, quand moi à l'école. Bête aussi, Sonika Mwandambo. Lire une lettre envoyée par Séraphin Okemba, c'était mal réfléchi, monsieur le ministre. Nous aussi, nous faisons des analyses. Il n'a pas été sanctionné. Mais il envoie la lettre, il s'excuse pour avoir fait quoi? S'il s'excuse, ça veut dire qu'il est accusé de quelque chose. S'il est accusé de quelque chose, ça veut dire qu'il est blâmé ou sanctionné. Ne faisons pas ça. Nous avons réduit la République. C'est la République. Nous parlons du pays. Vous nous faites honte, monsieur le ministre. Et quand ça circule sur les réseaux sociaux, nos amis avec qui on a été dans les universités à l'étranger voient ça. À quoi nous avons ramené la République? C'est la République, monsieur le ministre. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous réduisez, vous rabaissez la République. Quelqu'un qui n'est pas sanctionné, mais il va faire une lettre d'excuse. Il s'excuse pour avoir fait quoi? Je suis désolé. Mais c'est déjà bien si vous avez annulé votre sanction. Merci. Fred Jonas Makita, la voix de sans voix. Même après l'assassinat de Jonas Fred Makita, il y aura pire que Jonas Fred Makita. Nous nous battons pour la dignité de la République et pour la restauration de l'autorité de l'État. Merci beaucoup.